Dans sa progression à l'intérieur du Sahara, après le départ des troupes espagnoles, les Marocains ont tout d'abord décidé, sur le plan stratégique, de s'implanter fortement dans les centres urbains, à El Aaiun bien sûr, et surtout à Smara. Smara, qui est aujourd'hui la base avancée de l'armée marocaine. Sur cet aéroport minuscule, surtout des hélicoptères, indispensables dans cette guerre du désert pour repérer les mouvements des guérilleros. Il faut surveiller de vastes étendues désertiques. Un aéroport fortement protégé, la piste est entourée de barbelés, de champs de mines et également de chars. Indice prouvant tout de même que la région n'est pas totalement sûre et que l'on craint des harcèlements de la part du Front Polisario qui se bat pour l'indépendance du Sahara occidental. Dans le village lui-même de Smara, qui est en fait une toute petite agglomération, la coexistence entre la population et l'armée a l'air de bien se passer, quoique l'atmosphère semble parfois tendue. Les militaires sont tous armés et beaucoup de boutiques sur la grande place sont fermées. La population, initialement de 10 000 habitants, n'est plus que de 3 000 personnes. Deuxième phase de cette récupération du Sahara, installée dans les centres urbains, l'armée marocaine a lancé une opération intitulée assainissement. Il s'agit maintenant de progresser vers la zone frontière de l'Algérie pour réduire les nids de résistance tenus par le Polisario, assisté par l'armée algérienne. Le Maroc n'a pas l'intention de tolérer l'installation de sanctuaires et ils se sont décidés à attaquer le point d'eau d'Amgala où s'était retranché un bataillon de l'armée algérienne avec tous les risques que cela pouvait entraîner d'aggravation du conflit entre les deux pays. Cette position d'Amgala qui vient d'être récupérée par l'armée marocaine a une grande importance sur le plan stratégique. D'abord parce qu'elle est située dans une région de collines et également de plateaux, mais aussi parce qu'elle est située à seulement quelques kilomètres de la frontière mauritanienne. La frontière mauritanienne est le ventre mou du Sahara ex-espagnol. Et c'est par là surtout que réussissent à s'infiltrer les hommes du Front Polisario et également quelques éléments de l'armée algérienne. La dernière bataille que nous avons livrée au Sahara, c'était la bataille d'Amgala, où des unités de l'armée algérienne s'étaient installées. Et nous avons été obligés de monter une opération pour les déloger d'Amgala, qui fait partie du territoire marocain. Est-ce que cette bataille a été dure ? Je ne dirais pas qu'elle a été dure, mais elle était assez chaude comme bataille, puisqu'elle a mis en présence, bien entendu, des effectifs qui n'étaient pas très nombreux. Il y avait du côté algérien près de 450 éléments, avec quelques éléments du Polisario, et du côté marocain, il y avait de groupements tactiques. Et les armées algériennes et le Polisario étaient fortement armés ? Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, vous avez vu des armes qui vont du pistolet jusqu'au Strella, c'est-à-dire le SAM-7. Est-ce qu'il y a d'autres points comme celui-là à l'intérieur du Sahara où l'armée algérienne est présente ? Effectivement, il y a d'autres points où l'armée algérienne s'est installée, et où elle est actuellement, mais j'espère qu'ils comprendront qu'ils doivent rejoindre leur foyer en Algérie et de laisser le Maroc tranquille. Autrement, nous serons obligés de les déloger des autres points comme nous les avons délogés d'Amgala. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un conflit direct, encore plus violent, entre les troupes marocaines et algériennes ? Nous ne faisons que, comme je vous l'ai dit, nettoyer notre propre territoire. Et si nous trouvons des éléments qui s'introduisent sur notre sol, nous ferons tout pour les détruire. Vous nettoyez avec beaucoup de force ? Nous mettons chaque fois, selon le terrain, selon les informations que nous avons sur l'ennemi, nous mettons les forces qu'il faut pour mener à bien notre mission. Toujours triste spectacle que celui de prisonniers, ces hommes algériens ou sahraouis du Front Polisario, on ne le sait pas, car il a été impossible de leur parler, sont emmenés par avion militaire à Rabat. Ils font partie des 120 prisonniers faits à Amgala. L'armée marocaine va dans les prochaines semaines poursuivre son avance. Elle est décidée à ne rien céder. Quelles sont donc les intentions de l'Algérie ?